Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire enfin la vidéo mon rangement ongles, mon nouveau rangement ongles si vous voulez, parce que je vous l'avais promis, il m'a été beaucoup demandé aussi. Et puis comme vous avez vu que j'ai un nouveau rangement ongles, je vous le fais. Et puis bon, après cette vidéo il n'y en aura pas un genre tout ça après parce que cette armoire elle est accrochée au mur donc je peux pas changer mon rangement en un claquement de doigts. Voilà. Sinon, l'armoire, c'est mon père et moi. Enfin, l'étagère, pardon. C'est mon père et moi qui l'avons fabriquée. Parce que je ne trouvais pas dans les magasins comme Alinéa, Ikea, etc. Je tiens à vous dire aussi que cette vidéo sera très, ra très rapide car j'ai pas beaucoup de temps. J'ai que 10 minutes. Et voilà. Donc, mon rangement se trouve toujours sur mon bureau. Vous avez le carré que j'ai fait avec des clous sur une planche de bois. Après, vous avez tous mes vernis sur l'étagère. Donc, Obia, Forever 21. Là, c'est du Conad. Après, vous avez du Kiko, du Miscope, du Emma. Après, vous avez du Essie et du... H&M, après vous avez des vernis néons, ici là un Miss Europe, après du Modélite, du Opola, du Salomé, vous avez toute une rangée de Salomé. Après ici vous avez, donc là je connais pas la marque, du Bourjois, du Colorado, du Santé, là je connais pas la marque là non plus, et après vous avez du Modélite. Ah oui aussi, et vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça. En fait, c'est un élastique pour protéger mes vernis, on va dire ça comme ça. Et là, vous devez vous dire, mais il n'y en a pas ici. Le fil, en fait, il est là, c'est juste que j'ai oublié de le mettre. Donc, je le mettrai quand j'aurai pas la flemme. Je continue dans la troisième rangée. Vous avez tous les vernis nail art avec des pinceaux fins. Donc, je connais pas la marque. J'ai acheté ça sur eBay. Donc ici vous avez du Art Club, du Salomé, du Ado, du Occitane, l'Occitane je crois. Après vous avez du H&M, du Maybelline. Et au fond je ne connais pas les marques. Et après dans la quatrième rangée, enfin dans la dernière rangée de vernis, vous avez... du H&M, du Sephora, Ma Colle à Foie, Nails Inc, Conad et du Yves Rocher. Après vous avez ici du LF, du Yes Love, donc je connais pas, enfin voilà. Après là vous avez mes peaux de velours, donc j'ai alterné, ça fait bordeaux, noir, bordeaux, noir, bordeaux. Après là vous avez un pot de pigments... mon orange, un pot de paillettes et là vous avez mes deux pots de gel et mon accélérateur de séchage. Après vous avez toujours ma main d'entraînement, donc là il y a une French, donc là vous avez ma peinture acrylique, donc mon grand pot et mes petits tubes comme ça, donc c'est au maxi. Après là vous avez plusieurs parfums. Là, vous avez 4 rouges à lèvres, donc 2 LF de Kiko. Vous avez ici ma crème pour les cuticules. Après, ici, encore un carac que Astrid, donc, qui est sur la chaîne Dover Andover 04, m'a fait avec un fil de fer. Sinon, dans cette boîte, vous avez mes Canfimo, toujours. Hop. Ici vous avez mes capsules, donc j'ai trois boîtes, enfin deux boîtes on va dire parce que celle-là c'est pas trop des testeurs, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Voilà. Vous avez ici mes trois dissolvants, donc lui il est pratiquement vide mais je le garde au cas où si je veux nettoyer mes mousses, etc. Après ici vous avez tous mes accessoires, on va dire ça comme ça, ouais. Donc mes outils, mes Dunting Tools, mes coupons, mes pinces, etc.
Ici, mes limes, mes lames. Après, donc ici, vous avez tous mes pinceaux. Et là, vous avez des soins. Donc ici, ma crèmerie, derrière mon déo, mon eau précieuse, mon gel antibactérien, crème à l'aloe vera, déodorant. Ah, tiens, pour tous les Asiatiques. Dédicace à tous les Asiatiques pour le baume du tigre. Après, ici, vous avez mon pot de crème et mon produit pour les cheveux. Et tout en bas, là, donc vous voyez, là, enfin, l'étagère, elle est accrochée au mur. Et en dessous, j'ai un petit trou pour mettre des choses par-ci par-là. Donc, déjà, derrière, vous avez les deux boîtes de mes deux mains d'entraînement. Dans ces deux armoires-là, il y a, dans un premier tiroir, des stickers, des autocollants, etc. Après, en dessous, mes connades. Et encore en dessous, vous avez des cotons-disques et des cotons-tiges. Après, ici, vous avez des stickers encore et des pochoirs, voilà, des trucs comme ça. Ici, vous avez mes deux ponces. Et là, je sais pas ce que c'est. Et ici, vous avez des capsules comme ça. À côté, vous avez toujours mon petit lapin qui contient dans son ventre toutes mes capsules. À côté, vous avez une boîte à mouchoirs qui ne sert strictement à rien du tout. Après, ici, vous avez, donc dans cette boîte, je vous montre pas parce que y a mes trucs Fimo et tout, donc ça, on s'en fout. Là, encore des cotons-tiges. Là, vous avez mon kit, vous avez où il y a brosse, repousse cuticule, coupon, lime et écarte-pied. Après, ici, vous avez ma lotion pour le visage érifluide. Oui, c'est ça, érifluide. Qu'il faut appliquer sur le visage contre l'acné, etc. Et ça brûle littéralement votre visage. Mais c'est efficace. Ici, vous avez des cotons-disques. Après, en dessous, vous avez mes mousses pour les dégradés, etc. Donc j'en ai utilisé une, mais vous pourrez pas savoir laquelle tellement elle est propre, tellement je l'ai bien lavée, n'est-ce pas? C'est dans une boîte Agnès B que je range ici. Donc après vous avez ma palette Urban Decay et mon kit ici Front Cover. Voilà. Hop, je range. Après derrière vous avez mes recharges de coton. Ici, vous avez mes pinceaux. Donc, ils font trois fois mon doigt, mais j'arrive quand même à dessiner des trucs fins dans un vase avec des fleurs en 3D, là. Après, à côté, vous avez ma boîte à paillettes, strass, pigments, etc. Voilà, donc là, vous avez mes pigments, mes paillettes et mes caviars, mes strass. Mes paillettes, mes caviars, des yeux pour coller sur les ongles, ok. Et des paillettes. Donc après, vous avez ma lampe qui tient sur quelques planches de bois. Et mon rangement à bijoux qui est en bordel. Parce qu'en fait, juste avant de faire la vidéo, je l'ai fait tomber. Et puis, j'ai remis ça à la va-vite. Voilà tout le monde. Donc, il était... Enfin, désolée si je parlais vite. Parce que j'ai vraiment plus de minutes. Là, il me reste quelques secondes. Donc j'espère que ce rangement vous aura plu. Sinon, juste avant de partir, je tiens à vous dire qu'on est plus de 6000 sur ma chaîne. Je suis juste trop contente. Je tiens à tous vous remercier un par un 6000 fois. Donc voilà. À très bientôt. Ciao.